Ils sont plusieurs centaines sur les hauteurs de Rouen, comme dans de nombreuses villes de France, à pratiquer cet art subtil qu'est le roller skating. Plus couramment appelé patin à roulettes, ce sport, car c'en est un, avec ses milliers d'adeptes, garçons et filles, a longtemps été la plaie des grands ensembles, avant de devenir un moyen de formation. Alors maintenant, on va travailler par vagues. On va se mettre par 10 par 10 en colonne. Hein, et vous vous groupez jusqu'au long de la barrière. Et 10 par 10, on va faire les exercices en suivant. Hein? Gentiment, les petits en avant. Non, c'est pas des tours. Les exercices de patinage, de freinage, tout ce qui consiste à l'équilibre. Regroupez-vous, étalez-vous. Les uns derrière les autres. Par toi. Sur la ligne blanche, rangez-vous comme quand on travaille. Sur la ligne blanche. On place les enfants par force, parce que les petits seraient renversés par les grands. Et on fait donc 3 classes d'initiation de petits. Après, on les oriente vers l'artistique pour les filles, le hockey pour les garçons, la course pour les deux, garçons et filles. Quelle qualité physique exigez-vous ? De la bonne volonté, de la persévérance, beaucoup de ténacité. Et là, on leur donne le sens de l'équilibre par la force des choses. Est-ce dangereux de faire du patin à roulettes ? Non, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Non. Si les candidats ne manquent pas pour pratiquer ce sport passionnant, les moniteurs, par contre, font souvent défaut. Il n'est pas rare, en conséquence, de voir les parents obligés de défier les lois de l'équilibre pour pouvoir eux-mêmes apprendre aux enfants l'art de tenir sur des roulettes. Mais au fond, est-ce tellement difficile ? À peine savent-ils patiner que déjà c'est de courses dont ils rêvent. N'y a-t-il pas chaque année des championnats ? Et qui d'entre eux n'envisage pas d'ailleurs de battre le record, 22 km 500 à l'heure, soit 2200 tours minute. Le roller skating est composé de 3 disciplines qui sont principalement la course, le rink hockey et l'artistique. Disons que les 3 disciplines sont intéressantes, que la course par elle-même ouvre la porte aux 2 autres disciplines qui sont le rink hockey et l'artistique. L'artistique de préférence pour les filles et le rink hockey pour les garçons puisque c'est un sport viril qui ressemble étrangement d'ailleurs au hockey sur glace. Et bien sûr que les garçons, dès qu'ils ont une crosse dans la main et qu'ils ont l'occasion de taper dans une balle, en sont très heureux. Quant aux jeunes filles, dès qu'il s'agit de faire des solos ou des mouvements d'ensemble, sont évidemment ravis. La course est plus facile que les 2 autres disciplines. Disons qu'elle le demande d'une part peut-être un petit peu moins d'entraînement, mais ce qui est certain, c'est que pour faire soit du rink hockey, soit de l'artistique, il faut quand même faire de la course. Pour acquérir d'une part le souffle, l'endurance et une certaine souplesse. Souplesse et souffle, 2 qualités qui seront indispensables pour bien pratiquer le rink hockey, un sport déjà bien structuré qui a pratiquement calqué son organisation sur le hockey sur glace. On allonge, on allonge, on allonge. Mais vite, ça va pas aller, hein. Le contrôle.
c'est aussi difficile de danser sur les patins en roulettes que sur les patins à glace. Ce sont les mêmes disciplines exactement. C'est-à-dire que nous faisons comme en glace, des imposés et du libre. Les pays sont paraît-il plus particulièrement attirés vers ce sport. Oui, bien sûr, c'est plus normal. Les filles vont beaucoup plus à la danse que les garçons. Mais nous souhaiterions avoir beaucoup, beaucoup de garçons. Vous en avez quand même? Quelques-uns. Des jeunes, très jeunes. Qui est plus doué, la fille ou le garçon? Peut-être la fille parce qu'elle a un instinct de la danse. Le garçon doit s'appliquer beaucoup et s'alléger de son corps. C'est pas tellement plus difficile, c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir des garçons tellement patinés. On voit beaucoup plus de filles.